Et nous revoilà pour la sixième partie, je crois, de ce stream du 9 octobre. On est toujours sur Final Fantasy VII Remake, on est toujours en hard, et là ça commence à se sentir parce qu'on est à la fin du jeu et que le dernier combat me donne vraiment du fil à retordre. Donc je vais faire un dernier essai et voilà, on va voir après, sinon au pire je recommencerai dimanche prochain. Je n'ai pas envie de me frustrer en fait en insistant sur un combat que je ne vais pas réussir. Je vais passer les cinématiques parce que je les ai déjà vues. Même vous, vous les avez déjà vues. Alors, le problème c'est qu'on affronte un Bahamut en fait, et Bahamut j'en avais déjà chié pour le tuer tout seul dans le truc de réalité virtuelle. Donc là, me retaper un Bahamut. C'est pas très intéressant en soi. Donc on va essayer de jouer un petit peu plus défensivement. Donc comme je le dis, voilà, je vais faire un dernier try et après. Après je vais faire une pause de une semaine histoire de redescendre parce que j'avais pas envie de me frustrer sur un jeu vidéo. Le groupe en vie. Oh là 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 là, j'essaye de me défendre, hein, mais. Ok, je devrais peut-être effectivement jouer comme ça un petit peu plus défensivement. Hein. Alors c'est assez sale de mettre la sauvegarde aussi loin par contre, hein, vraiment. Là ouais, je peux pas sauvegarder à aucun moment. Ah merde, j'ai pas vu. Ah, je peux bloquer ça?
C'est chaud parce que... Ouah. Non. Non, j'ai fait une connerie. Il va me tuer, Barrette. Allez, vite. Infernal ce combat, honnêtement. Ouais. J'ai rien le temps de faire, les ennemis ils sont beaucoup trop rapides, le combat est brouillon, je trouve, du coup. Et je me prends un méga feu au passage. Pas le temps de claquer une prière là, sérieux. Allez! Je me fais enchaîner, c'est infernal. Ouais, voilà, je viens de gâcher mes deux barres de. Là, j'en perds mon latin, hein, désolé, je suis en train de m'énerver en fait, parce que ça n'a pas de sens de faire des combats comme ça, où il y a trois ennemis qui arrivent de partout. Ah, j'aurais dû garder ma transcendance par contre, ce qui semblerait qu'elle soit conservée. D'un combat à l'autre. Voilà, faut que j'avance. Tant pis, ça me gratte la tête. Je peux pas utiliser les autres bonhommes pour me soigner. C'est que je perds tellement de temps à soigner mes bonhommes que du coup bah, je veux pas. Soigner un coup Barrette, hein. Tant pis, on va commencer à claquer le mana, hein, pour que ça serve quand même. On a gagné. Allez, il faut que j'arrive au moins à passer ce combat là, hein. Je peux pas skipper les cinématiques malheureusement. Même si on les a déjà vus.
Je vais essayer de garder toutes les limites pour Bahamut. Même si je suis pas sûr que ça fonctionne. Oh la vache, oh la vache. Merde, il a pas vu qui. Bien me soigner si possible en fait là parce que je me fais juste enchaîner, c'est pas intéressant. Voilà, mais j'ai pas le temps, du coup je claque mes barres 2. J'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de me soigner en fait, c'est aussi simple que ça. Du coup on va utiliser ça pour soigner Cloud. J'ai pas le temps de me barrer non plus quand on m'attaque. Oh putain, il m'a stun avant, mais c'est infernal, honnêtement. C'est infernal, vraiment, 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 vraiment. Je ne peux rien faire. Je vais pas me soigner, voilà. Voilà, je vais mourir. Je vais mourir, je pense, bientôt. Ça, pas grave. Voilà, j'ai balancé le sort dans le vent en plus. Non, mais c'est un truc de dingue quoi. Quel combat de merde, mais vraiment. Aïe. Voilà. Ah merde, pas fini encore. Allez, 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 allez. Voilà.
en train de me rendre dingue. On peut pas skipper la cinématique, donc faut tout que je me retape à chaque fois, et ça c'est très rageant. Mais l'avenir n'est jamais écrit. Et on sort encore? Ils veulent vraiment pas nous lâcher? On se les répartit. Et on les attaque en même temps. Bon, moi je m'occupe du gros machin. Évidemment, un Barrett, c'est celui qui a la barre de d'action pleine. Qui a les deux barres même. C'est moi ton adversaire. Bahamut quoi, sérieux, ils nous font affronter Bahamut, qui est un des pires ennemis du jeu, qui est un des plus durs hein. Ah, j'aurai pas le temps de soigner le groupe, ils vont mourir. Mais non. Oh putain, ils sont pas morts. Tu peux t'en charger? Laisse-moi faire. Je vais faire de mon mieux. Attention à toi. À mon tour, c'est ça? De la merde, j'aurais dû bloquer. Je vais me lâcher. Ok, c'est parti. Ça va aller. Finir jouer. Ça va. À toi de jouer. Allez, tout sur le dos. Putain de merde, quoi, je l'ai défoncé. Parfait, bon timing. Mais non.
tellement le stress ce combat, mais c'est un truc de dingue quoi, j'ai le cœur à 10 000 à l'heure. Et... On l'a eu ? Je crois. C'est surtout Bahamut hein, qui est complexe hein, une fois que Bahamut est plié. C'est quand même beaucoup plus simple. Ah non, ne spoilez pas. Bien joué. Pas fini, il en reste encore un. Ah bah si, ça spoil. À 21 minutes de combat. Hein. Tiens, ça pue ça. Ça m'a pété l'oreille. Où on est ? Non. Rejoins-moi vite, Cloud. C'est quoi ce bordel ? C'est le signe. C'est féroce. Carrément. Ok. Ressort,
temps de prier pour ta vie. Aïe. Ça va. Moi, je te sais, ça m'a fait mal. Si on va, peux-tu faire un cauchemar? Pas grave. Tu as oublié. Très bien. Vas-y, attaque. C'est le moment d'en finir. Voilà. Intéressant. Ah, je peux pas le bloquer ça, ok. J'aurais bien me soigner en fait un peu. Oh, sérieux quoi. C'est chaud. Putain, Tifa qui casse des rochers, hein. Quoi ce truc? Oh putain, ça picote. Je peux rien faire. Je peux rien faire, ok. Je peux rien faire, c'est super. Je me suis fait enchaîner, on est d'accord. Hein. Oh putain, je suis super loin avec Tifa, mais non! C'est un truc de dingue, j'espère vraiment que je refais pas tout si je meurs ici. Hein. Là c'est beaucoup trop stressant. Ok, je suis avec Barrett a priori. Faut que j'arrive au bon moment. On y va. Peux-tu faire un cauchemar? C'est pas fini. Dans le mille. Mais je peux rien faire. Putain, c'est un truc de dingue, de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Je ne peux rien faire.
Il a qu'à la moitié de sa vie, quoi. Mais what, quoi? What? Mais non, mais non. Truc de fou, quoi. Je me fais défoncer. Je peux rien faire du tout. Ok, bah mute, hein, dans le doute, mais... Pas sûr que ça fasse grand chose vu la puissance du bonhomme. Va connaître la douleur. Peux-tu faire un cauchemar? Je peux rien faire du tout, quoi. Il m'a annulé ma transcendance ou je viens de rêver? Il m'a annulé ma transcendance, ah non c'est bon, elle est là, putain. Non, on me trompe, Oh non, c'est sale. Ouais, je crois qu'à un moment je peux me faire one shot et ça va faire mal ça. Ah, c'est quoi ça? Tant pis, on va tout balancer parce que on a 9 secondes pour finir le combat. Faites-moi entendre vos cris. Souffle
je dis pas le stress dans lequel je suis. Putain, j'ai fini. Putain de merde, j'ai fini Final Fantasy VII Remake en hard. Oh putain. J'ai bien cru que j'allais péter un câble, hein. C'est typiquement le genre de combat, hein, notamment contre les trois tout à l'heure, qui était très brouillon. Le destin ne veut pas qu'on affronte Sephiroth, hein. Le destin est complexe. Oh, c'est joli. Donc la vidéo sera un petit peu plus longue que prévu, hein. 40 minutes bientôt. Plus les cinématiques qui vont arriver là. Désolé pour ça. Bah, je vais pas skipper, hein. Ce serait trop sale après tout ça. Fais attention. Le chemin à venir n'existe pas encore. Et notre planète fera un jour partie de tout cela. Mais moi, je veux subsister. Et je ne te laisserai pas disparaître. Où on est ? Aux confins du monde. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Pas question. J'arrive même pas à le toucher, quoi. Rapide. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Mais de quel avenir il parle? Est-ce que l'apocalypse peut être arrêté? Je ne le sais pas. Monsieur le vice-président. Président. J'arrive. La tête de ce personnage, quoi. Ah.
Et voilà, un nouveau président à la tête de la FINRA. Comme bien souvent dans ce genre d'institution, tuer le chef ne sert à rien. Mais t'es complètement fou. Oh, un petit freeze, désolé. Pas la manette, hein. Donc on retrouve ce personnage hein, qui a l'épée que Cloud avait au début, qui semble de retour à de retour à Midgar. Qui a pas été très bien accueilli. Hein. A gagné, mais à quel prix? Cloud, t'as vu ça? Tenez. Merci. Ils sont trop balèzes les gens quoi. Putain de poutre en acier. Donc ça c'est l'écriteau qu'il y avait sur le bar. Hein, où Tifa et Barrett travaillaient. Et on retrouve Biggs, hein, donc d'Avalanche, qu'on pensait mort, mais qui a réussi à être récupéré et soigné. Donc au final, il n'y aurait que Jessie qui serait morte, et encore à voir dans l'épisode prochain. Évidemment, la petite Marlène, ouais, la fille de Barrett. C'est un semi-happy ending. Dans le sens où tout n'est pas perdu. I'll be back. Et où est-ce qu'on va maintenant? Sephiroth. On va à la chasse à Sephiroth, je pense. Tant qu'il est encore là. Mais tu l'as vaincu, non?
On le retrouvera. C'est promis. Comptez sur moi. Pour suivre une piste, mieux vaut avoir du flair. Moi aussi, je viens. Ce type veut détruire la planète, hein? Les ennemis de la planète sont les ennemis d'Avalanche. Oh, de la pluie. Réminiscence du passé. On y est presque, Cloud. Il faut que tu tiennes le coup. Et c'est sur cette phrase d'Aerys et ce petit message qui nous dit que, en gros, il y aura d'autres épisodes. C'est là-dessus qu'on a fini Final Fantasy VII en hard. Donc je vais passer les crédits évidemment. Hein. J'ai plein de succès Steam qui se débloquent. Et donc voilà, on a fini enfin Final Fantasy VII Remake Hard. J'ai bien cru que j'allais péter un câble hein, sur le dernier combat, tellement il était ardu. En même temps, c'est le but du mode hard. J'ai réclamé du challenge tout du long, hein, quasiment, de cette run. À vrai dire, je la trouve beaucoup trop facile dans l'ensemble. Et les 5 derniers combats de boss, on va dire la dernière heure de jeu, peut-être les dernières 2 heures du jeu, il y a un pic de difficulté mais qui est juste beaucoup trop violent quoi. Alors que tout le reste de la partie en hard est beaucoup trop facile je trouve. Donc bon voilà, après hein, c'est des soucis d'équilibrage, il y en a plein dans tous les jeux. En tout cas je suis content d'avoir fini Final Fantasy VII. Ça va me permettre de passer à d'autres jeux. Peut-être regarder comme ça. Ça va me permettre de passer à d'autres jeux. Comme je le disais tout au début de ce stream du dimanche, je vais me remettre Elden Ring parce que je suis fan de ce jeu malgré que j'ai fait plusieurs personnages dessus. Donc je vais me remettre à Elden Ring, je vais faire un personnage orienté sur le PVP, donc ça va être une run un petit peu particulière. Et il y a Darktide voilà, qui va sortir, en attendant je vais faire un petit peu de Vermintide. Hein. Peut-être que la semaine prochaine je participerai à la bêta de Darktide et donc je pourrai streamer. Et quoi d'autre? Et Callisto Protocol qui sort en décembre, hein, pas loin de mon anniversaire, je ne sais plus quand en décembre. Donc voilà, ça fait partie des jeux à venir que je vais streamer. Donc Elden Ring, Darktide et Callisto Protocol. Après on verra s'il y a d'autres choses qui me bottent. Peut-être pourquoi pas refaire des vieux Soul-like type The Surge ou Hellpoint. Quelque chose qui me botte très bien. En tout cas voilà, fini pour Final Fantasy VII Remake. Mon avis très rapidement sur ce jeu. Même si je pense peut-être faire une vidéo un petit peu plus exhaustive sur mon avis. Qui n'engage que moi, dans mon avis à mon. Final Fantasy VII Remake est un bon jeu, mais il est loin quand même du monument qu'était l'original, on va dire. Et non pas parce que bah, je suis un vieux con et que quand j'étais gamin c'était mieux, hein. Non, c'est juste qu'il y a certains choix de scénario que je ne comprends pas. Typiquement comme nous faire affronter Sephiroth tout de suite, alors que Sephiroth justement dans le jeu de base c'était l'ennemi qu'on voyait tout le temps, qui nous narguait entre guillemets, puis qu'on affrontait à la toute fin. Là je comprends pas pourquoi nous le faire affronter tout de suite. Les fileurs, l'ajout des fileurs, ça ajoute pas grand chose à l'histoire, hein, cette histoire de destin. Qui est raconté et qui est expliqué en fait sur la forme d'ombre.
Enfin voilà, il y a quelques choix de scénario que je trouve très moyens. Après, je comprends qu'ils aient voulu nous en mettre plein la vue tout de suite, hein, mais voilà, pour moi, ça aurait mérité d'être un petit peu plus tard. Et voilà, les quêtes secondaires sont vraiment nulles, 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 nulles. Aller chercher des chats, des enfants, tout ça, les jeux des boîtes. Enfin, il y avait déjà des mini-jeux dans le jeu original, mais voilà, je trouve que les quêtes secondaires sont vraiment nulles pour le coup. Il y a quelques petits ajouts qui sont sympas quand même, notamment la quête avec Jesse, qui permet d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage qui est Jesse, justement. Je trouve ça plutôt cool. Enfin voilà, il y a quelques ajouts qui sont sympas dans l'histoire, mais majoritairement, je trouve que l'histoire, ils ont voulu trop donner tout de suite, et c'est un petit peu dommage. Le gameplay, par contre, moi je trouve ça au top. C'est quoi? C'est un action où on peut faire pause en même temps, hein. Donc ouais, je trouve ça vraiment bien comme système, hein, le tour par tour étant un petit peu complexe sur ce genre de jeu, je pense aujourd'hui, hein, tour par tour, ça va bien sur Bloodborne 2, mais voilà, du tour par tour, ça aurait pas collé. Du coup, je trouve qu'un jeu comme ça, en termes de gameplay, c'est plutôt cool. On peut faire pause quand on veut et ça donne des graphismes et des cinématiques, entre guillemets, où on peut faire pause et se régaler de ce qu'on voit. Donc voilà, niveau gameplay. Niveau histoire, on a déjà fait le tour, hein, ça suit quand même relativement ce qui s'est passé. Au niveau technique, artistiquement, ça a de la gueule. Techniquement, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, c'est un jeu qui commence déjà à dater, qui est sorti sur PlayStation 4, si je ne m'abuse. Donc forcément, techniquement, c'est pas le tout dernier cri. Sur PC, il est plutôt bien optimisé, je dirais. Après, il y a certaines textures quand même qui sont dégueulasses. Après, il existe des mods qu'on peut mettre sur PC. Et puis voilà, niveau son, on retrouve tous les sons de Final Fantasy VII, hein, les sons cultes, les musiques cultes plutôt, du jeu d'époque. Et les seuls qu'ils ont malheureusement ajoutés et totalement créés pour cet opus, je les trouve totalement bof, quoi. Hein, et je suis poli. Donc voilà, les sons qu'on connaît déjà, ils sont bien. Et ceux qui ont été nouvellement créés, bah personnellement, je les trouve moyens. Voilà, enfin mon avis, c'est un bon jeu, mais voilà, c'est pas la claque en tout cas que j'ai eu quand j'étais gamin. En prenant en compte effectivement, bah si j'étais gamin, forcément ça m'a un peu plus émerveillé. Mais objectivement, de mon point de vue à moi, même si c'est un petit peu contradictoire, mais de ce que je connais des autres jeux, tout ça, de mon objectivité, c'est un bon jeu, mais sans plus quoi. Et je suis content de l'avoir fini honnêtement, parce que bah, j'ai stream la partie en hard, mais j'ai déjà fait le mode normal, j'ai fait le simulateur de la Shinra, tout ça, j'ai fait beaucoup de choses à côté que j'ai pas montré en jeu. Donc je suis content d'avoir fini avec Final Fantasy VII Remake. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série. Désolé, la dernière vidéo sera un tout petit peu plus longue. Et puis du coup, bah, on se retrouve dimanche prochain. On croise les doigts pour moi, s'il vous plaît, que j'aie accès à la bêta Darktide. Hein, comme ça, je pourrai vous montrer tout ça. Après, si vous êtes sélectionné et que vous pouvez tester par vous-même, c'est encore mieux. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. Mais j'aimerais bien vous montrer ça en stream. Donc voilà, on se retrouve le week-end prochain pour Darktide avec un petit peu de chance. Et si c'est pas Darktide, eh ben je sais pas trop ce qu'on fera encore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon dodo, quoi que vous fassiez, une bonne sieste peut-être, j'en sais rien, et une bonne couture. Peut-être que vous partez faire la couture. Je sais pas. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Ciao!